Les réacteurs de la chancelière s'éteindront en 2022. Les Français auront la lumière et les Allemands du CO2. La vérité sur le nucléaire, c'est qu'on n'a pas notre mot à dire. Tout est de notre faute puisqu'on s'en sert, paraît que c'est un risque à courir. La vérité sur le nucléaire, c'est qu'il n'y aura pas de référendum. En discuter, mais pourquoi faire, c'est nous les rois de l'uranium. La vérité sur le nucléaire, c'est que c'est un truc dangereux. Et à moins d'être suicidaire, on ne peut plus fermer les yeux. La technologie militaire appliquée à la paix civile, ça donne Fukushima sur mer et les enfants de Tchernobyl. La vérité sur le nucléaire, c'est propagande et puis violence. De ce point de vue, on peut être fier, c'est vrai qu'on garde une belle avance. Essaye de dire un mot de travers, on te placera sous surveillance. Les opposants à la filière savent bien ce que c'est, la transparence. La vérité sur le nucléaire, c'est qu'il n'y aura pas de référendum. En discuter, mais pourquoi faire, c'est nous les rois de l'uranium. Les autres ont des panneaux solaires et s'équipent en parc éolien. Mais c'est une mode passagère, le vent tu sais, ça va, ça vient. La vérité sur le nucléaire, c'est l'avenir d'une illusion. Le conte de fées des EPR s'apprête à entrer en fusion. La situation financière de notre industrie électrique est loin d'être heureuse et prospère, elle est au bord de la faillite. La vérité sur le nucléaire, c'est la facture que les ménages vont payer de plus en plus cher à moins d'éteindre leur chauffage. Tu vas sentir passer l'hiver, surtout si t'es en HLM. Tu sais pas comment tu vas faire, oui mais ça c'est pas leur problème. La vérité sur le nucléaire, c'est qu'il n'y aura pas de référendum. En discuter, mais pourquoi faire, c'est nous les rois de l'uranium. Les autres ont des panneaux solaires et s'équipent en parc éolien. Mais c'est une mode passagère, le vent tu sais, ça va, ça vient. La vérité sur le nucléaire, c'est pire que de la science-fiction. À quelques kilomètres sous terre, on enfouirait nos radiations. Ça ferait comme un grand cimetière de particules immortelles, avec un panneau éphémère, attention danger éternel. Ils ont choisi le nucléaire sans nous demander notre avis. Maintenant c'est à nous d'être clairs et de leur montrer la sortie. Ils ont choisi le nucléaire, mais ce temps-là est bien fini. Quand on parle à des milliardaires, on peut dire non sans dire merci. La vérité sur le nucléaire, c'est qu'on se passera de référendum. Le peuple aussi a ses lumières, abat les rois de l'uranium. Le peuple aussi a ses lumières, abat les rois de l'uranium. Bravo. Merci Fleur. Francis, vous n'êtes pas obligé. Ah non, vous n'êtes pas obligé. Quelque chose me dit que la chanson ne sera pas mise en ligne sur votre site. Merci pour le débat. Le livre de Francis Thorage le montre. Attendez, ne passez pas devant la caméra au moment où je montre votre livre. Le livre de Corinne Lepage. Merci à tous les trois et à la semaine prochaine.